Aujourd'hui, Diabolo va filmer le Titan Speakerman dans la vraie vie. Dans une première partie, il va faire apparaître le Titan Speakerman dans Minecraft. Dans une deuxième partie, Diabolo va regarder ce qu'ont filmé les caméras de surveillance de sa maison dans la vraie vie. Et il va vous montrer les premières images du Titan Speakerman dans la vraie vie. Voici ma maison dans Minecraft. Ma maison de la vraie vie. Dans cette maison, j'ai installé des caméras. Voici les caméras qui sont installées un petit peu partout dans la maison. Ces caméras, elles sont reliées à cette tablette. Petit exemple, dès maintenant, on a une caméra de l'extérieur, voilà, qui filme le jardin. Et exactement au même endroit dans ma maison, dans la vraie vie, j'ai placé là aussi des caméras de surveillance. Et je vous montre ça tout de suite. Voici une première caméra dans mon salon. C'est exactement la même que celle-ci. Voici une caméra vers mon jardin. C'est exactement la même que celle-ci aussi. Voici une caméra dans ma cuisine. Et voici la même dans Minecraft. Le but de cette vidéo, c'est de filmer le Titan Speakerman. Alors ça peut être tout type de Titan Speakerman. Ça peut être le Titan Speakerman multiverse, comme ça peut être l'Upgraded Titan Speakerman, ou encore le Titan Speakerman en armure. Pour le filmer dans la vraie vie, il faut que je le filme dans Minecraft, ou en tout cas déjà que je le fasse apparaître dans Minecraft. Pour le faire apparaître dans Minecraft, eh bien rien de plus simple, il faut qu'on construise un totem de spawn. Un totem qui va le faire spawner. Là pour l'instant, on n'a rien du tout de quoi le faire spawner, mais heureusement j'ai toute une petite équipe devant moi. Il y a Zuru, il y a Jeff the Killer, il y a Koba, il y a Booba. D'ailleurs Booba, je sais pas où est-ce qu'il est. Ouais, ah, ouais, ouais, ça va, Booba? Salut mon frère, ça va? Bah ça va très très bien. Écoute, c'est drôle de plus te voir gros et fat comme dans GTA. Mais du coup, arrête. Là du coup t'es plutôt pas mal. Du coup, devenir, dans hein. cet épisode, ah ouais, tu peux devenir fat? Non. Je suis pas sûr. Du coup, dans cet épisode, on va filmer le Titan Speakerman dans la vraie vie. Je sais pas si on va réussir à le filmer dans Minecraft, mais c'est pas ça qui compte. Vous voulez le voir dans la vraie vie. Et pour le faire spawn dans la vraie vie, il faut d'abord que je le fasse spawn dans Minecraft. En tout cas, que je construise son totem d'invocation. Et pour construire son totem d'invocation, il va falloir qu'on trouve des blocs qui nous permettent de construire le Titan Speakerman. Et du coup, c'est parti. D'ailleurs, c'est possible aussi que l'on voit le Titan Speakerman. Alors, l'une des versions du Titan Speakerman, ça peut être le Titan Speakerman multiverse dans Minecraft. On va peut-être le filmer dans Minecraft aussi. Et ça, c'est très stylé. Du coup, là, déjà, dans un premier temps, on va se faire une petite table de craft. Alors, pourquoi on se fait une petite table de craft? Pour se construire des pioches et aller chercher des blocs, voilà, qui nous permettent de construire le Titan Speakerman. Et j'en vois déjà. Regardez, tout le pont, il est en blocs rouges. Et ces blocs rouges, on va s'en servir pour construire le Titan Speakerman. Du coup, on va démonter le pont. Bon, c'est pas grave. Le maire de la ville, il va un petit peu crier. Mais on s'en fiche complètement. D'ailleurs, les mecs, pour surveiller l'arrivée du Titan Speakerman, alors je doute qu'il puisse rentrer dans ma maison. Mais on va quand même installer des caméras. On va quand même installer des caméras. Wow, ouais, il a fait un big saut, Jeff the Killer. Hein. Il est arrivé ici, je l'ai vu avec un énorme saut. Jeff the Flopper. Jumper. Je suis Mario dans la vraie vie. Du coup, je vais installer une caméra dans ma chambre, une caméra de surveillance. Voilà. Je vais mettre du coup une caméra à l'étage. On va aller à l'étage. Regardez, on va en mettre une dans le couloir, juste là. Voilà. Toutes ces caméras sont évidemment accessibles via la tablette. Par exemple, regardez celle que je viens de poser dans le couloir. Eh bien voilà, on peut observer avec. D'ailleurs, petit checking directement chez moi. Pour l'instant, j'ai rien construit, mais on sait jamais. Du coup, dans le salon, il y a rien du tout. Mais vous voyez, les caméras fonctionnent. Donc s'il y a quelque chose qui se présente dans mon salon, dans la vraie vie, vous le verrez directement. C'est incroyable. Allez, une autre petite caméra ici dans la chambre. On va en mettre d'ailleurs dans toutes les chambres. Je pense que c'est le mieux à faire. Voilà. Ah, j'en avais déjà mis une ici. Attends, mais what? Ah oui, d'accord. C'est la même chambre. C'est juste qu'il y a deux entrées. D'accord. Ensuite, là, il y a une petite salle setup. Faut surveiller le setup. C'est là où je tourne mes vidéos. Voilà, évidemment. Et là, je vais en mettre une autre là. Voilà. Et une autre dans la chambre ici. Et là, je pense qu'on a quadrillé toute la chambre. Et on peut partir du coup à la recherche des blocs pour pouvoir construire le Speakerman. D'ailleurs, vous nous direz lorsqu'on a construit le totem la ressemblance sur 10 avec un Titan Speakerman. Je suis pas sûr que ça va être très élevé, mais c'est pas grave. Allez, let's go. D'ailleurs, est-ce qu'il y a quelqu'un d'entre vous qui a de la cobble? Comme ça, je me construis une pioche. Oui, bien sûr, comme d'habitude. Vas-y, donne-moi de la cobble, Azuro. Vas-y, viens. Ouais, si, t'as des poches. Je suis à l'extérieur, viens voir. Allez, je suis à l'extérieur, regarde. Attends, ok, vas-y, donne-moi ça. Alors d'ailleurs, les mecs. Attends, mais j'ai demandé de la cobblestone, ils me donnent de la stone. Bon, bah du coup, je vais devoir clairement. Ah, ok. Bon, ok. Let's go. C'est parti, hop, c'est bon, tac tac tac. Là, j'ai ma petite pioche, voilà, et je peux casser du coup la stone. Mais surtout, ce qu'on va pouvoir casser, ce sont les blocs rouges du pont. Venez, prenez tous des pioches et on va aller détruire ce pont. Alors par contre, on est ménage, que la police n'arrive. Voilà, et à tout moment,
justement. C'est pour ça, restez bien tout au long de cette vidéo. À tout moment, on peut voir le Titan Speakerman, ou en tout cas, juste peut-être même un Speakerman classique. Du coup, si vous le voyez, le Titan Speakerman, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Voilà, tous ceux qui ont vu le Titan Speakerman, alors je ne l'ai pas vu sur Minecraft, eh bien je mettrai un gros cœur à votre commentaire. Vous mettez le timecode correspondant. T'as dit quoi? Vous aurez des dons. Non, ils auront pas de dons par contre. Non, c'est impossible. Ils auront pas de dons. Allez, let's go. Discord Nitro. Oui, d'accord. Bon, tu le donneras, Jeff the Killer, le Discord Nitro. Hein, tu t'en chargeras. Let's go. J'ai récupéré 33 blocs rouges, 34, 35, 36. Alors, du coup, il va falloir aussi des blocs noirs pour pouvoir construire les pieds du Titan Speakerman. Voilà, on est en train de prendre vraiment tous les blocs. Let's go. Ok, là j'ai 42 blocs rouges, 44, c'est bon. J'en ai 44, tiens. C'est bon. Let's go. Tiens. Hop, attends, fais voir, tu me donnes quoi? 37. Ok, attends. Ok. Oh, waouh. Ok, waouh. D'accord. Là, on en a 64 plus 18. On commence à être pas mal. Ensuite, qu'est-ce qu'il nous faut d'autre pour construire le Titan Speakerman? Déjà, il nous faut des blocs noirs. Et regardez, il y a une énorme tour toute noire. On va aller choper des blocs là-bas. Wow. Let's go. C'est parti. C'est bon. On va choper ça là-bas. Regardez, en plus, j'ai plein de stone pour pouvoir monter. Ça va être insane. Et après, on va pouvoir construire cet immense Titan Speakerman. Ça va être très stylé pour pouvoir le faire spawn. Et là, à ce moment-là, tout moment, le Titan Speakerman, on le voit sur Minecraft, mais aussi sur. Oula, attendez, hop, c'est bon. Oula, ok, c'est bon. Parce que là, pour monter, c'était un peu what. On va mettre ça comme ça. Ah, mais arrête, oui. qui est-ce qui me pousse? Mais c'est tout le monde en fait, il y a tout le monde qui est là. Arrêtez, non, mais c'est pas possible. À qui va en premier? Il faut que je monte, il faut qu'on casse ces blocs noirs. Wesh. Là. Allez, venez. Allez, c'est ouais, parti, bah, sorti. Y'a Koba qui est là? Ouais, non, mais jure, personne ne va ou quoi? What? Il sort de lui, wesh. On prend les blocs noirs. Allez, prenez un maximum de blocs noirs. C'est bon, c'est parti. Oh, on les prend. Voilà. Ah, c'est bon, il y en a tellement. Oh là, ça c'est masterclass par contre. Ça du coup, on va pouvoir s'en servir pour faire les speakers. Voilà les speakers. D'ailleurs, est-ce qu'on se ferait pas un petit check-in des caméras? On va regarder déjà les caméras chez moi dans Minecraft, voir s'il se passe pas grand chose. Oh, j'ai plus que la cinquième que je capte. J'ai plus que celle du jardin que je capte. Oh, ah, mais oui, parce que les autres elles sont en intérieur. Du coup, je capte pas. Bon, on voit qu'il y a pas grand chose. Je fais un petit check-in quand même. Il y a pas l'air d'avoir grand chose. Non, ça va. Est-ce que vous voyez quelque chose? Moi personnellement, rien. Tu vois quelque chose? Des blocs noirs. Ah, d'accord. Et ensuite, les caméras chez moi, du coup, dans la vraie vie, le salon, il y a rien du tout. On va checker du coup la cuisine. La cuisine, rien du tout non plus. Et le jardin non plus, rien. Jardin, j'observe quand même. Mais normalement, rien parce qu'on a toujours pas fait le totem. Mais attends, mais pourquoi est-ce que tu tiens Booba dans ta main, Jeff the Killer? Tiens dans mes mains, hein, Booba. Hein. C'est quoi ce délire? Allez, je le laisse. Wesh. Oh, ok, bon, bizarre. Allez, ok, c'est parti. Je descends. Allez, c'est parti. Vous avez combien? Waouh, mais attendez, mais tout. Waouh, d'accord, ok. Là, on commence à avoir vraiment pas mal de blocs. Il nous faut encore des blocs. D'ailleurs, je vois des blocs rouges là-bas. Attendez, est-ce que ce sont les bons blocs rouges? Je vais aller voir parce qu'on va très bientôt construire le Speakerman. Ah ouais, c'est toujours du rosé à moitié. C'est pas vraiment du rouge, c'est du rosé à moitié, hein. C'est plus du rose. Ouais, bon, let's go. D'ailleurs, le saviez-vous, les filles oui. voient plus de couleurs que nous. Est-ce que vous le saviez ça? Ah bon, je vous jure que c'est vrai. D'accord, la meuf fâchée. Non mais je vous jure que c'est vrai. En fait, en gros, les filles elles voient des différentes plus de teintes de couleurs que nous. La sauce, les cheveux des Zidane. La source, je sais plus c'est quoi, mais au pire, oui, monteur, t'as fait un article qui en parle. Mais c'est sûr et certain que oui. Bon, du coup, je vais voir comment est-ce qu'on va construire le Titan Speakerman. Il nous faut aussi des blocs blancs. Il nous faut des blocs blancs. Let's go. Il faut qu'on en prenne aussi. Voilà. Pour le construire, il nous en faut aussi. Voilà. Allez, prenez-en un maximum. Ici, il y a plein de blocs blancs. Let's go. On en prend vraiment un maximum. C'est bon. Voilà. C'est bon. Ok. Là, on commence à être pas mal. Ok, c'est bon. J'ai tout ça. Deux blocs blancs. Ok, j'en ai 18. Et du coup, on va pouvoir commencer à construire le Titan Speakerman. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts? Alors, du coup, il va falloir que déjà on commence à construire les pieds du Titan Speakerman. Et d'ailleurs, ah ouais, c'est que des blocs noirs comme ça. Est-ce que vous avez des blocs de béton noir? Ouais, bien sûr. T'en as? Parce que du coup, on va faire les pieds comme ça. Les Tiens. Pieds, je pense. Oula, on part sur un gros modèle, hein. Attends, c'est bon, let's go. Attends, mais c'est des pieds en charbon là? Ouais, et oui, c'est parce que ça, c'est les chaussures. En gros, ça va être la base des pieds. Voilà, comme mais ça. Non, on les construit. Voilà, ouais, attends, oula, attends. Ouais, comme ça, tu penses? Moi, je pense que je mettrais genre derrière. Voilà, comme ça. Là, c'est pas mal. Là, on a fait les pieds. Les pieds, on va les faire aussi de ce côté là. Vous allez voir, il va être vraiment incroyable ce Titan Speakerman. Si on arrive à bien le faire, normalement, il va spawn de sur. S'il est moche un peu, ça va être un peu plus compliqué. Donc voilà, ok, on a fait les pieds.
premier du Speakerman. Non, il faut qu'on commence du coup avec avec la concrète noire, du coup les blocs de béton noir à monter, à faire les jambes. Est-ce que vous êtes prêts à faire ça? Bien sûr. Tu le fais, Koba, et moi j'observe les travaux. Ok. Mais oui, moi aussi j'observe. C'est quoi ça? Oula, ouais, pas très convaincu. Allez, c'est parti, c'est parti. Allez, du coup, là, il y a Koba qui est en train de nous faire les jambes. Oh, let's go, ça va être stylé. Je sens que ça va être stylé, en vrai, de vrai. Let's go. Moi, je pense que je vais utiliser des pouvoirs magiques pour pouvoir aussi build. Parce que là, je suis un petit peu inutile. Je vais utiliser mes pouvoirs magiques et je vais pouvoir build aussi. Parce que là, vraiment, je suis complètement useless. Là, les jambes, elles ont l'air un petit peu bancales. Pourquoi est-ce que tu le fais aussi avancer? Là, il fait le moonwalk. Ou quoi, c'est quoi ce délire là? Michael Jackson. Et il est en train de faire Michael Jackson ou quoi là? Pourquoi il est comme ça vers l'avant de ouf là? Non. Faut le mettre droit le ref. Bizarrement. Mais non mais bon, ok, je te fais confiance. Merci. Mais c'est vrai que pour l'instant il est un peu chelou. D'ailleurs nous on va checker les caméras, voir comment est-ce que ça se passe du côté de chez nous et surtout dans la vraie vie. Est-ce que à l'extérieur il se passe quelque chose? Pour l'instant je ne vois pas grand chose. On va checker la cuisine. Alors dans la cuisine, waouh. Mais c'est quoi ce fer qui bouge tout seul? What? Oui. What? Ok, 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 il se passe quelque chose. Je vous dis qu'il... Non mais qui c'est qui a détruit le pied? Mais non, il est en train de courir. Laisse-moi faire. Non mais... Mais où? Ah d'accord, ok, ouais. Bon d'accord, ok, je te fais confiance. Mais du coup là par contre, attendez, parce que là il vient de se passer quelque chose chez moi. Il y a un verre qui a bougé, il y a un verre qui a bougé. What? Alors d'ailleurs mes pouvoirs ne me servent absolument à rien. Et en plus ils me prennent beaucoup d'énergie. Je pense que je vais les enlever directement. D'ailleurs tu peux utiliser je pense des blocs de béton rouge si t'en as. Je pense que ce serait plus stylé. Je sais pas qui c'est qui est en train de faire ça. Hey Jeff the Killer, dégage. Non. Non mais quoi qu'en vrai on a pris beaucoup de ces blocs là. Donc en vrai construit avec ces blocs là, parce qu'on en a beaucoup plus que des blocs rouges. Ouais, tu sais pas un peu indécis et relou par la même occasion. Ah parce qu'on en a pas beaucoup en fait des blocs de béton rouge, je me dis Et du coup attendez, je vais retourner parce que là vraiment il vient de se passer quelque chose dans ma cuisine qui est pas du tout normal. Je vais checker un petit peu dans ma cuisine ce qui est en train de se passer parce que là c'est vraiment chelou. Ce qui vient de se passer vraiment c'est étrange hein. Genre vraiment, je check dans ma cuisine. C'est le sopalin maintenant qui bouge. C'est le sopalin qui bouge tout seul. Je sais plus si le verre était placé là par contre. Mais attendez, attendez. Non mais attendez. Waouh. Non, je parle dans la cuisine. Attendez, mais par contre, c'est bizarre. Ça veut dire qu'on a commencé à construire le Titan Speakerman et il commence à se passer des faits paranormaux chez moi. Non, par contre, c'est très inquiétant. C'est très inquiétant. C'est le Titan Speakerman sur Minecraft là, c'est pas normal. Mais non mais en fait, le fait de construire le Titan Speakerman dans Minecraft, ça va le faire spawn dans Minecraft, mais aussi dans la vraie vie. Et là, c'est ce qui est en train de se passer. En gros, il est en train d'arriver dans la vraie vie chez moi. Enfin, je sais pas si c'est lui. En tout cas, il se passe des phénomènes paranormaux chez moi. Et j'ai très peur. Il veut passer bonjour. J'ai très peur parce que, en gros, pour vous expliquer ce qui va se passer, la construction de cette vidéo, vous le savez déjà depuis le départ. Mais en gros, je fais spawn le Titan Speakerman dans Minecraft. Et après, normalement, il arrive dans la vraie vie. Et du coup, je passe une journée complète dans ma maison. Et normalement, il va apparaître plusieurs fois. Et on va le filmer avec mes caméras de surveillance. Parce que j'ai plusieurs caméras de surveillance. J'ai plusieurs caméras de sécurité. Donc voilà, il va falloir faire très attention. Parce que là, je sais pas ce qui est en train de se passer. En tout cas, le Titan Speakerman a vraiment bien avancé. Et c'est très stylé ce qui est en train de se construire. Non, vraiment, c'est masterclass. Ok, mais du coup, vraiment, je pense que le fait qu'il soit vraiment stylé comme ça, eh bien, ça va largement le faire spawn. Et ça, c'est effrayant. Le Titan Speakerman est fini d'être construit. Bon, c'est pas non plus incroyable, mais ça passe. Je pense que ça va suffire à le faire spawn. D'ailleurs, noté sur 10 ce Titan Speakerman, personnellement, je lui mettrai la note de... Allez, 6,5, on va dire. Ouais. 6,5, voire... Allez, ah, ouais, je sais même pas. 7, c'est une bonne note, donc non. Oh, on va mettre 7, on va mettre un 6,5, un peu plus que la moyenne, quoi. Du coup, normalement, là, un des Titans Speakerman, que ce soit le multiverse, le celui en armure, etc., il a dû spawn. Il a dû spawn sur Minecraft et du coup, ça a dû le faire spawn dans la vraie vie. D'ailleurs, quand on avait commencé la construction, on a vu d'ailleurs qu'il se passait des choses un petit peu étranges chez moi. Et là, du coup, ça a dû continuer. Il doit se passer plein de phénomènes paranormaux, etc., puisque Titan Speakerman, il a une grosse aura, une grosse puissance lorsqu'il arrive et il doit être en train d'arriver dans la vraie vie. Ce qui fait que là, on commence à être la nuit. Je parle dans la vraie vie. Une fois la nuit passée, je vais me lever et là, il y aura littéralement le Titan Speakerman qui sera chez moi, qui va commencer à vivre chez moi. Enfin, en tout cas, sans doute à l'extérieur vu sa taille, ou alors ce sera une version Rikiki chez moi, je sais pas, on va découvrir tout ça, ça va être incroyable sur les caméras de surveillance mais aussi sur Minecraft. Là je vais regarder les caméras d'ailleurs, attendez, je peux pas les checker, attendez, je crois pas que je puisse checker celle d'extérieur, non, bah attendez, on va se rapprocher de la maison et là normalement il a du spawn, hop let's go, je passe par là, attendez, il va falloir que j'arrive à sauter sans mourir, ça va être chaud, attendez, est-ce que quelqu'un a un seau d'eau pour moi? Oui bien sûr, comme d'habitude frère. Vas-y donne-le moi, et si je réussis le MLG, vous êtes obligé, alors le MLG c'est le fait de poser un seau d'eau. Si par contre là tu réussis pas, là tout le monde se désabonne et si tu réussis, bah frérot ok, let's go, c'est go. Oh non. Oh mon mec. J'ai réussi. Oh, faut s'abonner mec. Celui qui s'abonne pas là. Abonnez-vous.
vous êtes obligé de vous abonner et d'activer la cloche. Ah ouais, c'était complètement loupé, mais attendez, regardez, j'ai ma deuxième chance. Let's go. Voilà. Voilà, oh, ils sont obligés de s'abonner. Ils sont obligés de s'abonner. Voilà. Bon, abonnez-vous pour ne rien louper des prochaines vidéos, notamment si je fais des vidéos avec le Titan Speakerman de la vraie vie. Enfin, on va découvrir d'ailleurs lequel c'est. Moi, j'ai accès à aucune des caméras. Attendez, mais c'est par où qu'on habite déjà? Attendez, mais what? Oh, c'est l'autre côté. J'ai perdu la maison. C'est l'autre côté. Attends, où ça? Par là-bas. Ok, let's go. Mais non, on va y aller. Là. Oh, mais là-bas, on avait un meilleur rouge. Hein. Parce que là, du coup, je sais pas où est-ce qu'on est. Mm-hmm. Ok. Là, il y a Titan Speakerman. Ok, donc on est à droite du Titan Speakerman. Ok. Speakerman. C'est vrai que de loin, il a une tête un peu chelou. Hein. C'est le Titan Speakerman Cowboy. Il reste avec une mouche, frère. Il est pas incroyable. Vraiment, il a une tête un peu bizarre. On dirait une tâche. On va se rapprocher. Oh, c'est bon. Je capte toutes les caméras. Ça va être incroyable. Ça veut dire que là, on va découvrir quel Titan Speakerman il y a dans Minecraft. Ce sera pas forcément le même qu'il y a dans la vraie vie. J'ouvre la tablette, je regarde une caméra à l'intérieur de chez moi. Et oh, il est dans le jardin. Il est dans le jardin. Regardez-moi ce Titan Speakerman. Alors par contre, c'est le Titan Speakerman en version miniature. À mon avis, dans la vraie vie, il va être beaucoup plus effrayant. Mais what? Mais regardez-le. Mais oh, clairement vu que la caméra bougeait, puisqu'il a fixé la caméra. Et quand je me suis arrêté de bouger, il s'est barré. Ok, regardez-le, waouh. Bon, ce que je vous propose, c'est qu'on aille le voir sur Minecraft pour voir un petit peu à quoi il ressemble d'un peu plus proche. En plus, il est en train de quitter la maison. Faut vite qu'on aille le voir au plus vite. Non, mais c'est quoi ce délire? Genre, vraiment, vous l'avez vu, ce Titan Speakerman? Bon, il est pas très grand. C'est pas vraiment le Titan, c'est juste. Je sais pas. T'as dit quoi? Il est géant, Cooper. Et qu'est-ce que t'as dit, Azuro? Un flop. Ouais, c'est un peu le flop Titan Speakerman. Bon, on va aller le voir à la maison. Allez, c'est parti. C'est par où la maison déjà? Je sais même plus. Je suis perdu. Moi, je me souviens, c'est par là. Attends. Il est dans le bâtiment noir. Attends. Attends, où est-ce qu'il est passé, Booba? Je sais même pas où il est passé. Je suis là. Attends, où est-ce que t'es? Ah, ah oui, d'accord, ok, c'est bon, je le vois. Let's go, c'est parti. On va aller voir ce Titan Speakerman tout petit. D'ailleurs, il est passé où, Jeff the Killer? Non mais... Il a disparu. Ah, c'est pas trop grave, hein. Il flotte. Non mais attends, c'est inquiétant là, pourquoi est-ce qu'il est pas là? Oula, oula. Non, moi, bon, il me manque, Jeff the Killer. Où est-ce qu'il est passé? Waouh, wow, dégueulasse. Oh, tu veux mourir en fait. J'avoue, il est un peu effrayant. Bon, allez, c'est parti. J'ai oublié où c'était. Ouah, attends, mais il sort des armes, Azuro. Je capte pas, il a sorti un big fusil. On parle de mourir. Ah, mais bah, on va aller voir du coup le Titan Speakerman. Où est-ce qu'il est? On va aller voir. Ça veut dire qu'il a spawn réellement chez moi. C'est-à-dire que dans très peu de temps, eh bien, je vais vous montrer les caméras de surveillance chez moi et je vais vous le filmer dans la vraie vie. Ça va être insane. Mais là, déjà, dans un premier temps, il est apparu sur Minecraft dans ma maison. Et ça, c'est effrayant déjà. Pourquoi? Ça, c'est vraiment effrayant. Est-ce que t'as un QI de 143? Oh, ouais, tu... J'ai un QI de 143. Ouh, attendez, avant d'arriver à la maison, parce que je sais pas où est-ce qu'elle est à la maison, je vais juste checker vite fait les caméras chez moi dans la vraie vie. Je vais regarder, attendez, mais non, mais attendez, on s'est éloigné, on n'est pas vers la maison là. Non, parce que j'ai plus accès à aucune caméra, ça veut dire qu'on s'est éloigné de la maison, on s'est perdu là. Attends, ça fait quoi si je lance une grenade sur la maison du voisin? Bah vas-y, lance-la, hein, mais c'est même pas la maison du voisin, je sais pas. Allez, on se casse. On se casse. Mais attendez, mais la maison elle est pas du tout par là, hein, les mecs. Par contre, parce que moi je capte plus aucune caméra. Ça veut dire que. Ouais. J'aimerais acheter un cadeau à Copa, mais je sais pas si c'est un bon ou pas. Dis toujours, mais j'ai un peu peur de ce que tu vas me dire. C'est un dentifrice au charbon parce qu'il pue. Oh. Allez, mec, ferme-toi. Hey, oh. Le langage là, sérieux. Non, mais ça va pas ou quoi? Ah, mais vous êtes complètement fou. Bon, elle est où la maison là? C'est insupportable. Où est-ce qu'elle est possible? Par là. Attends, c'est pas ça, on a un meilleur coup. Ouais, je te fais plus confiance. Non, mais on est en train de se perdre. Attends, ah, mais c'est ça, je suis ici. Je suis Koba. Je suis Koba. Koba, tu sais où elle est la maison? Ouais, normal, je suis beau gosse. Non, mais tu sais où elle est la maison? Mais oui, elle est par là, mais sauf qu'elle a un kilomètre, hein. C'est tellement éloigné. Mais attends, mais pourquoi est-ce que t'as pas dit? Parce que tu nous as pas dit quand Booba il est parti que la maison était par là-bas? Ah, parce que c'est un ennemi, elle est teubée. Ok. Mais tu veux voir? Bon, du coup, les caméras, je les capte toujours pas, ça veut dire qu'on est loin de la maison. Parce qu'en fait, en gros, tout le branchement il est à la maison. C'est là. Ok. Je me souviens, le pont. Ouais. Bah non, le pont l'avait détruit. Bah non, le pont l'a détruit. Attends, je suis Koba, moi, je fais confiance à Koba. Et une fois que les caméras vont être de nouveau connectées, on va directement checker chez moi dans la rue. Parce que là, à tout moment, il est là. À tout moment, il est là. Ah, mais regardez. Koba, il arrête ici. Mais non, mais Koba, il a complètement raison. Mais oui, la maison, elle est par là-bas. Oh, c'est bon. Il a pris le coup. Je capte les caméras. Du coup, on va checker les caméras dans la vraie vie chez moi. Alors, du coup, dans mon salon. Rien du tout. Dans la cuisine. Bon, dans la cuisine, ça m'étonnerait. On va directement aller dans le jardin. Pas de Titan Speakerman. Mais pour l'instant, c'est le début.
C'est le début. Déjà, faudrait qu'on le voit dans Minecraft et je pense que ça aidera les choses. Ok, où est-ce que vous êtes parti du coup, attends? Ah, ok, il y a Azuro qui est derrière moi. Et C'est derrière. Ils sont là. Mais en fait, ils sont tout petits, du coup, à chaque fois, je galère. Ah, c'est bon, ils sont là. Attends, mais j'ai une question. Je sais pas pourquoi il est plus petit qu'avant, il est en train de danser. Je suis allé dans la maison, il a vu. Mais elle est où la maison? Elle est où la maison? Là. Ok, c'est bon, on a trouvé la maison. Ok. Il y a le pont que t'as détruit. Ok, ok, let's go. Ah, mais il y a Speakerman. Ah, oh, mais... oh, wow, ok, ah ouais, du coup, attends, mais on tourne en rond, c'est pas possible, c'est un enfer. C'est un labyrinthe, sa ville en fait. Non, mais vraiment, je sais pas où est-ce qu'on est, mais c'est vraiment une galère. Ah, il y a ta maison, il y a ta maison chauve. Elle est là, la maison, les mecs. Ah, c'est la maison, let's go. La maison, elle est là. Vas-y, détruis-la, Azuro. Attends, on est en mode. Vas-y, la détruis, attends, lance grenade. Regardez là-haut. Waouh, il y a le titan Spider-Man. Oui. Oh, ok, incroyable. Il est sur cet arbre, on le voit pas très bien. J'aimerais bien le faire descendre. Ok. Ouais. Attends, il est passé où? Mais attends, il est en train de faire Tarzan. Mais c'est Tarzan, Speakerman. Attends, il est descendu? Je le vois plus. Attends, ouais, je le vois plus. Attends, mais il est passé où? J'ai envie de le voir en gros plan, moi. Je veux le voir en gros plan là. Il est pas là. Si, il est là. Aïe, aïe, je suis tombé. Ah, j'ai peur. Attendez, il faut que je remonte. Je vais reprendre ça. Je vais monter avec les lianes. Ok. Oula. Ok, je suis ici. Voilà. Comment est-ce que je vais faire pour monter là-haut? Ok, c'est bon. Là. Je suis en train de faire un jump. Il est là, spawn encore. On est là. Oui. Ok. Je suis en train de monter petit à petit. Il est là-haut? Tu l'as trouvé là-haut? Oui, il est toujours là. Il est en train de danser là. Là-haut? Tout là-haut? Mais il vous attaque pas? Si. Wesh, attends. Comme par hasard, tu dis ça, le gars, il nous met des gros dégâts, ouais. Ah ouais? Attends, il est où? Je le vois pas, Ah, il est juste en face de moi! Attends, faut voir à quoi il ressemble! What? Mais c'est incroyable! Attendez, mais c'est lui, le titan Spider-Man! Ok, je suis tombé! Bon, les mecs, du coup, c'est bon, on l'a vu sur Minecraft, et du coup, maintenant, je vais vous filmer les caméras de surveillance chez moi dans la vraie vie, et normalement, il va apparaître. C'est pas du tout la fin, puisque là, maintenant, on va le filmer dans la vraie vie, et ça va être insane. Et si j'ai posté cette vidéo, évidemment, on l'a vu dans la vraie vie. On est le lendemain de ma vidéo Minecraft et il s'est passé des choses horribles aujourd'hui. En gros, là je suis le soir et je regarde les vidéos de surveillance de ma maison. Mais je peux déjà vous dire qu'il s'est passé des choses horribles. J'ai fait notamment venir un pote et j'ai retrouvé seulement un squelette. Enfin bref, vous allez découvrir tout ça dès maintenant. Alors, pour ne pas vous mentir, je n'ai absolument pas vu de Titan Speakerman de mes propres yeux. Mais vu ce que j'ai découvert cet après-midi avec mon ami, je suis persuadé que le Titan Speakerman est dans ma maison. Et je suis sûr surtout qu'il a été filmé par mes caméras de surveillance. Ça, j'en suis sûr et certain. Alors regardez bien avec moi. Est-ce qu'il est aux fenêtres? Non, il n'est pas aux fenêtres. En tout cas, si je vous ai posté cette vidéo, c'est que pas seulement j'ai trouvé mon pote en squelette, mais aussi surtout que j'ai filmé le Titan Speakerman dans la vraie vie. Et là, du coup, je veux absolument le voir. Est-ce qu'on le voit à ses fenêtres? Non, parce que vraiment, comme je le disais, ou je sais pas si je l'ai dit, je suis désolé, je suis paniqué. Mais en gros, j'ai installé des caméras de surveillance, mais aussi des caméras sur trépied pour littéralement filmer toute ma journée. Ok, le jardin, est-ce qu'on voit le Titan Speakerman? Non. C'est effrayant, je n'ai pas de bois. Je vais aller en couper parce que j'avais pas de bois. Oh, peut-être dehors le Titan Speakerman. Là, on voit mon jardin. Ok, je vais couper du bois parce qu'il me restait plus que des bûches compressées. Enfin bref, on s'en fout. Ce qui est important, c'est le Titan Speakerman. Là, on voit mon jardin. Et ce qu'on voit, c'est que, on voit pas de Titan Speakerman. Là, tranquillement, j'installe tout ce qu'il faut pour couper mon bois. Mais peut-être que le Titan Speakerman, il est venu m'observer. Et vu que je savais que le Titan Speakerman, il allait venir aujourd'hui, vous allez voir, j'ai fait une grosse bêtise. Plaît à pote à moi. Et je lui ai dit de surveiller la maison pendant que je travaillais à l'étage. Voilà, je lui ai dit vas-y, je vais te filer un petit billet, est-ce que tu peux surveiller ma maison? Et il a surveillé ma maison et ce qui s'est passé, c'est terrible. Vous allez le découvrir sous ces images. C'est vraiment une dinguerie, mais en tout cas voilà. J'arrive, du coup là je vais couper mon bois, je vais ramener pas mal de bois. Là je suis en train de le sélectionner. Là regardez, je suis en train de ramener mes premiers rondins de bois. Je vais aller chercher ma tronçonneuse. Par contre là l'angle de vue il est pas incroyable. Je préférais que voilà, on voit la palissade peut-être un peu mieux. La palissade noire là, je sais pas si vous la voyez. Mais du coup au fond de mon jardin, voilà, enfin à gauche de mon jardin plutôt. Là je ramène pas mal de bois, voilà. Bon, je sélectionne mon bois, ça on s'en fout au pire. Faut qu'on passe sur le prochain point de vue. Ok, je vais prendre ma tronçonneuse. Est-ce qu'on voit quelque chose? Peut-être, tu vois, derrière la palissade grise, là, en pierre, derrière, tout au fond, je sais pas. Là, je retire la protection de ma tronçonneuse. Et là, je vais faire quelque chose de très dangereux, à ne surtout pas reproduire. Normalement, il faut, en fait, bloquer le bois. Et là, j'avais rien pour bloquer le bois. Du coup, je l'ai bloqué avec mon pied. Mais c'est très dangereux ce que je fais. Il ne faut absolument pas refaire ça. Bon, de toute façon, je doute qu'à votre âge, normalement, vous coupez du bois.
bois. Mais en tout cas, voilà, je suis un très très mauvais exemple. Ne refaites jamais ça chez vous. Voilà, regardez, je coupe le bois comme ça, en calant avec mon pied, mais c'est très dangereux. Voilà, faut pas faire ça. Ah, là, littéralement, on a largement un meilleur angle. Ok, ouais, là, c'est beaucoup, beaucoup mieux. Ok, c'est parti, je commence à couper. Ok, let's go, je coupe, je coupe, je coupe. Ok, voilà. Bon, je fais mon petit tas de bois, quoi, mais c'est très dangereux ce que je fais. Et par contre, on pourrait largement apercevoir le temps Speakerman sur ces images. Bon, en vrai, on s'en fout un peu que je coupe du bois, hein. Là, c'est très long quand même. On va passer à une prochaine caméra et on ira retourner voir ce plan à la fin. Parce que là, je crois qu'il y en a pour 5 minutes de rush. C'est un peu relou. J'ai pas le temps de tout regarder maintenant. J'ai envie de vite avancer. Là, du coup, je ramène mon bois pour le ranger. Ouah, on s'en fout. On voit pas grand chose. Mon jardin. Pas de Titan Speakerman encore. Ouais, on voit pas de Titan Speakerman, les mecs. Voilà, dans mon jardin, rien du tout. Alors là, qu'est-ce que je fais sur ce plan? Pourquoi est-ce que j'ai pris ce plan? C'est sans doute une de mes caméras sur pied. Ça, c'est pas une caméra de surveillance. Ok, ouais, j'allumais un feu. Je me disais, ah oui, peut-être que le feu peut attirer le Titan Speakerman. On sait pas, je tente des techniques d'approche, des trucs qui peuvent potentiellement le faire. Donc là, vraiment, littéralement, je suis juste en train de préparer un... Et peut-être qu'on va voir, eh bien, là, à la petite fenêtre à gauche, le Titan Speakerman légèrement passer sa tête. Voilà, je sais pas, c'est possible. En vrai de vrai, c'est largement possible. Il va passer voir ce que je suis en train de faire, parce que je suis en train d'allumer un feu, et que ça peut être dangereux, ou alors ça peut le réchauffer, je sais pas. J'ai tenté pas mal de choses avec ces caméras de surveillance et ces caméras sur trépied, et j'ai vraiment tenté de vous filmer des images de ce Titan Speakerman, et j'espère peut-être avoir réussi, ce qu'on va découvrir d'ici très peu de temps. En tout cas, si je vous ai posté cette vidéo encore une fois, si vous voyez ces images, c'est que j'ai réussi et que vous n'allez pas tarder à le voir. Alors là, je prends une petite allumette, je vais allumer mon feu. Let's go, allumer le feu. Je rigole alors que c'est absolument pas drôle ce qui s'est passé aujourd'hui. Voilà, on va essayer de redevenir un petit peu sérieux. Voilà, je mets le feu et après je vais avoir un magnifique feu, ça va être incroyable. Voilà, regardez, c'est bon, le feu est parti. Voilà, là on est quelques minutes plus tard sur la même caméra, elle a juste légèrement changé et voilà, le feu est bien parti. Pas de Titan Speakerman pour l'instant. Là, mon ami va pas tarder à venir et du coup je monte à l'étage pour aller chercher une arme à lui donner. Voilà, j'arrive à l'étage et je vais dans la chambre où il y a toutes les armes. C'est bon, je suis dans la chambre et là j'ai l'embarras du choix et j'en sélectionne une. Alors oui, un nerf, mais en même temps je suis pas l'armée, hein. J'ai pas des vraies armes chez moi. Donc je lui ai donné, bah effectivement, un pauvre petit nerf. Mais celui-ci pour le coup il est puissant quand même. Là, mon pote arrive, il venait de sonner et je vais arriver à la porte, lui donner. Voilà, regardez, il va arriver mon ami. Oh là là, il me manque tellement. C'est tellement... Ce qui s'est passé, c'est tellement horrible. Donc voilà, regarde, je lui montre l'arme que je lui ai sélectionnée. Et lui, il est plutôt très content d'avoir cette arme. Voilà, il la prend. Sauf que Titan Speakerman a dû lui faire quelque chose de terrible. Là, on retrouve mon ami dans le salon qui quadrille, qui défend ma maison au cas où si le Titan Speakerman paraît. Alors voilà, on le voit surveiller la maison. Voilà, il est en train de surveiller si le Titan Speakerman n'apparaît pas dans le jardin. S'il le voit pas, parce que s'il le voyait, bien évidemment, il pourrait lui tirer dessus avec le nerf et peut-être le faire partir. Et comme ça, au moins, on aura quelques images avec le caméra à surveillance, mais en même temps il attaque pas ma maison. Voilà, c'était ça le but surtout, d'avoir mon pote qui était là. Et malheureusement ce qui s'est passé ensuite, c'est terrible les mecs. Et j'ai pas les images de ça, et ça vraiment c'est embêtant. C'est sans doute une caméra sur pied que j'ai déplacée ensuite dans la journée. Voilà, il vérifie, il pensait peut-être avoir entendu du bruit, alors peut-être qu'il avait raison. Voilà, il surveille. Et après ce qui s'est passé vraiment, c'est terrible. Donc ça c'est mon pote qui monte à l'étage. Alors moi je suis dans une autre salle encore pour faire mes vidéos. J'avoue là c'est un autre setup. En gros j'ai deux setups. Là c'en est un quand il y a des amis qui viennent pour faire des vidéos. Les mousses c'est un peu n'importe quoi. Bref, je rigole alors que je devrais absolument pas rigoler. Là du coup il vérifiait, voilà, on le voit encore faire des tours de ronde, etc. Et puis ensuite il va redescendre, quoi. Là il est en train de vérifier, il vérifie la fenêtre, est-ce que le Titan Speakerman est là, est-ce qu'il est devant la maison. Voilà, il vérifie tout ça et là il voit que c'est safe comme zone, il redescend en bas. Là on voit mon pote qui vient de redescendre en bas, qui recadrille la zone à nouveau. Et là je vous dis, la chose terrible va bientôt arriver. Et le problème c'est que j'ai pas les images, je sais pas pourquoi je les ai pas. Là ça va passer un autre plan et voilà. Donc là il vient de se poser dans le canapé, voilà, et vous allez le voir comment je vais le retrouver. C'est vraiment terrible. Voilà comment j'ai retrouvé mon ami. Voilà. Et on va me voir arriver et être complètement choqué, les mecs. Genre vraiment c'est dinguerie ce qui s'est passé. Voilà, tellement choqué les mecs. Voilà comment j'ai retrouvé mon pote. C'est tellement le Titan Speakerman. Regardez mon pauvre ami. Non mais vraiment. Non mais oh là là. Et là je suis juste à côté. Du coup c'est un autre plan en fait, une autre vision. Et voilà, je suis complètement choqué. Et je m'assois à côté de lui, je comprends pas ce qui se passe. J'arrive pas à vraiment savoir si c'est lui, mais effectivement c'est vraiment un squelette. Et là je commence vraiment à flipper les mecs. Je me dis que le Titan Speakerman il est vraiment là. Et pour l'instant je l'ai filmé.
C'est ça le problème en fait. Et mais je pense savoir quand est-ce que j'allais filmer. Là les événements paranormaux commencent. Tout ce qui annonce tout simplement. Alors effectivement j'ai découvert mon pote comme ça. Et regardez, regardez, regardez. Après je suis allé faire de la vaisselle un peu. Et regardez, regardez la porte qui s'ouvre sous mes yeux. C'est quoi cette énorme dinguerie? C'est quoi cette énorme dinguerie? Alors j'aurais peut-être dû prévenir la police. Alors là les mecs j'essaye de déstresser. Je fais de la vaisselle, j'essaye de déstresser. Je me dis qu'est-ce que je dois faire. Et là regardez, je vois mon frigo ouvert. Et regardez un premier phénomène paranormal qui se passe sous mes yeux, qui annonce clairement que le Titan Speakerman est là. C'est terrifiant. Là je sais pas quoi faire. Je retourne à côté de mon pote. Je commence à réfléchir, etc. Et je sais vraiment pas quoi faire. Les mecs, le Titan Speakerman il est juste ici. Il est juste derrière moi. Mais c'est quoi cette énorme dinguerie? Les mecs, je suis super choqué. Il était là, juste là sous mes yeux. C'est quoi cette énorme dinguerie? Les mecs, je remettais de mes émotions et j'ai continué la vidéo où je coupais du bois. Et je crois avoir trouvé quelque chose. Vous allez le voir dès maintenant. Voilà. Titan Speakerman était derrière moi les mecs. Le Titan Speakerman était littéralement derrière moi. Il sort derrière la palissade et ensuite il disparaît. C'est une énorme dinguerie. Oh, si j'allais consulter cette caméra en direct, parce que là on est le soir, mais pas vraiment encore exactement le soir. Il fait encore jour. On va voir ce qui est en train de se passer en direct chez moi. Il est là les mecs, il est là. Oh la dinguerie les gars. Abonnez-vous, activez la cloche pour suivre la suite de mes aventures et pour avoir des nouvelles surtout de moi. Parce que là je sais pas ce que je vais faire. C'est une énorme dinguerie. Le Titan Speakerman est littéralement chez moi. Waouh, je suis complètement choqué les mecs. Maximum de pouces bleus, de soutien, faites tout ce qui est en votre pouvoir, cliquez sur une des deux vidéos, celle que vous préférez, et puis à très bientôt.